Salut les amis, c'est Tom Phoenix et bienvenue dans ce 18e épisode du Let's Play à Water Snake Valley. Je suis au prix du feu parce que nous sommes en hiver et qu'il fait froid. Mais on va sortir de la maison et on va tout de suite aller voir ce qui a été fait en off. Et le programme de la journée. Alors, ce qui a été fait en off, pas grand chose. Déjà dimanche dernier, il n'y avait pas d'épisode Twitch, je n'étais pas disponible. Mais voilà, en off, j'ai fait un bras de rivière supplémentaire pour délimiter les futures zones, à savoir le futur Water Snake Studio. Donc, sur le thème du cinéma, vous le savez. Et bien la future zone qui prendra place ici, qui sera très certainement une zone SF, science-fiction, ville du futur. On va revenir, alors pas dans cet épisode-là, mais dans les épisodes prochains, vers la zone Scrapland. Parce que à la base, mon idée, c'était que la zone qui sera finalement une zone SF soit la zone horreur. Mais une zone horreur, on en a déjà fait une. Et du coup, il manque pour moi une attraction dans cette zone horreur. À savoir que chaque zone a un petit peu la même implantation, à savoir un coaster au minimum, un flat ride au minimum et un Dark Ride au minimum. Vous allez voir ça plus tard. Mais du coup, là, on a les coasters, on a le Flat Ride, mais on n'a pas de Dark Ride. Donc, il faudra implanter un Dark Ride et étendre la zone Scrapland. Mais ce n'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on va s'attaquer à la thématisation du River Rapid Elephant et à la fin du bâtiment principal de la zone jungle. Et aussi on va commencer l'attraction justement Dark Ride qui va prendre place ici. Ça va être un épisode un petit peu particulier, je vais continuer à parler pendant l'accéléré, mais avant de démarrer cet accéléré, vous le savez, top au générique. Et donc j'ai commencé par la fin, puisque j'ai commencé par l'attraction qui sera le futur Dark Ride, à savoir l'Armada, hein. Attraction de bateau bien connue, avec bien évidemment en référence Pirates des Caraïbes, puisque ce sera un Dark Ride thématisé très certainement sur le thème pirate. Un fort, quelque chose dans ce goût-là. J'ai dû, comme vous pouvez le voir, je m'y suis repris à deux fois pour faire cette attraction parce que la zone est très petite et du coup j'ai été retirer encore quelques arbres et du coup me rapprocher du bâtiment backstage qui de fait sera modifié en conséquence pour implanter le layout de l'attraction et faire en sorte que ça rende vraiment faut pas en demander plus, hein. Alors la file d'attente donc du parc à bœuf en veux-tu en voilà comme d'habitude. Vous pouvez voir aussi que la gare des trains étant très proche de l'attraction, et bien en fait elle sera implantée dans le bâtiment principal. Et ensuite, je me suis attaqué à la thématisation du bâtiment de la file d'attente de Elephant. Alors sur ce bâtiment, j'ai préféré faire un choix bois moderne, parce que c'est ce qui était plus simple, je vais être
honnête, c'est plus... J'ai pas cherché la complexité, quoique c'est assez complexe quand même, parce que c'est pas que du 4x4, je suis un peu sorti de la grille à certains moments. Donc on peut voir qu'il y a des parcs à bœufs sur deux étages. Et le bâtiment, j'ai fait en sorte d'inclure la plateforme tournante, bien évidemment. Et j'ai rehaussé, j'ai fait un peu de terraforming, histoire que tout colle. Pour ce qui est de l'entrée, eh bien, vous allez le voir, j'ai fait une arche en bois. Qui cache complètement l'entrée, qui cache le river rapide aux visiteurs. Et vu que l'attraction se nomme Elephant, et ben j'ai implanté deux statues d'éléphants dont le cœur est caché par les murs, mais du coup ça donne cette arche certes moderne, mais avec ce petit côté traditionnel, enfin indien, avec les statues. J'ai complètement balisé la zone, histoire que les visiteurs n'aillent pas faire un petit plongeon avec des rocks. Et ensuite, je suis passé à la thématisation proprement dite et des éléphants. Vous allez voir, il y en a des tonnes. Je vous laisserai les compter une fois dans l'attraction. Le on-ride sera pas pour aujourd'hui. Alors, je suis revenu sur la thématisation de la file d'attente. Ça m'a pris pas mal de temps. Je pense que vous pouvez voir que ça prend du temps, d'autant plus que j'ai vraiment fait un truc custom avec des planches pour sortir de la grille, parce que sinon je ne serais pas arrivé. C'est ce qui prend peut-être le plus de temps. Parce que là, vous savez, c'est ce genre de petits détails qui demandent du temps à implanter. Un peu de barriérage, bien sûr, hein, on sécurise la zone. Et du coup, en fait, à la sortie, on a la vue sur le début du ride, histoire de se dire on a passé un bon moment. Des planches. J'ai vraiment essayé de bien fermer, que le bâtiment soit bien balisé, bien cloisonné. On voit que il y a bien une belle distinction entre la file fast-pass et la file standard. Ensuite, j'ai utilisé donc ces planches pour faire le sol. Vous allez voir, le sol n'est pas forcément égal partout. Et puis oui, je m'en suis servi pour continuer à baliser la zone, baliser les chemins. C'est pratique le détournement d'objets. Je sais que tout le monde le fait, vous le voyez sur quasiment tous les let's play de toute la communauté Planpo. D'ailleurs, j'en profite d'aller voir les autres créateurs, il y a des choses très intéressantes à voir, que ce soit chez Jérôme, chez Atlantia, chez Banif, chez Alban 12.
Et bien sûr, suivez les créateurs sur Twitch. Alors, je me suis attaqué au pont du train avec des énormes bûches pour faire les soutiens du pont. Ça et des poutres en métal. Et donc, vous pouvez voir que c'est un pont suspendu. Biscornu, le pont suspendu, les ingénieurs sont peut-être pas au point, mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça rentre bien dans la zone, ça intègre bien la zone. Ça, et puis avec la végétation qui prendra place juste après. Plutôt pas. Alors ici j'ai fait cette espèce de petit, c'est même pas un tunnel, hein, c'est une réhausse. Je me suis pas mal cassé la tête pour avoir un bon niveau d'eau. Je voulais vraiment que l'eau affleure par rapport à l'attraction, mais bon, malheureusement j'ai pas complètement réussi. Mais j'ai quand même donc du coup j'ai un petit peu retravaillé l'attraction pour qu'il passe parfaitement à l'intérieur. Voilà, on rééquilibre et cette zone sera une zone de cascade. Donc là on commence vraiment le gros de la thématisation avec une première cascade où là on passe en plein en dessous, hein, clairement. Et de l'autre côté, une autre cascade. Donc voilà, là la thématisation, on va voir qu'il y a plein de végétation. Oui, il y a eu une petite erreur, à savoir l'eau est passée de l'autre côté. Donc j'ai corrigé ça. Un peu de terraforming, beaucoup de végétation. Des éléphants de partout, c'est normal, hein, c'est une attraction. Et donc, on avance tranquillement vers l'attraction qui prend forme. Et le cœur de l'attraction se trouve dans cette grotte, puisque j'ai décidé de faire une sorte de temple perdu avec une statue dorée, et oui, statue d'homme éléphant en fait. Et de fait, sa garde royale éléphantesque tout autour de lui. C'est une zone assez sympathique à voir. Et on a le temps de bien la voir quand on est dans l'attraction, puisqu'on fait vraiment tout le tour. Et c'est là que j'ai commencé à faire la thématisation lumière. Pour que de nuit, déjà, on voit les éléphants et puis on est dans l'ambiance dans cette grotte. Et on continue sur la végétation. Faut pas qu'on voit qu'on est dans des souterrains. Mais on est toujours en pleine jungle. Et ce... Jusqu'au bout, il y aura des statues d'éléphants. Jusqu'au bout, il y aura de la végétation.
Et donc la station, eh bien, j'ai repris un peu l'idée que j'avais déjà pris sur un précédent River Rapide, à savoir une station complètement immergée dans la végétation, puisque la vraie station, entre guillemets, enfin la vraie fausse station, c'est la plateforme tournante. Donc j'ai mis des statues d'éléphants, j'ai mis pas mal de végétation. Histoire de dire que on est dans la thématisation et pas uniquement dans la station. Ensuite, j'ai balisé tout le River Rapide avec les lumières. Lumière bleue sur tout le parcours. Et des torches pour éclairer les zones. Et donc, dans la deuxième grotte, juste avant la remontée, il y a encore une harde d'éléphants, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui vous attend, qui vous accueille, qui vous observe. Et le tout avec des lumières. Alors les lumières sont un peu space, hein. C'est vrai que du vert, du rouge, du bleu, c'est un peu psychédélique, mais c'est l'idée que je voulais ressortir, un truc très très flashy, très néon, très coloré. Et voilà un petit peu ce que ça donne vu du ciel. Et on continue. La thématisation, on met le toit du bâtiment de la file d'attente. Donc c'est un toit qui est pas forcément très droit, mais justement je voulais créer des accidents, que ce soit pas linéaire. Et comme toute bonne attraction qui se respecte, et ben il va y avoir un point photo, et le point photo il est tout trouvé au niveau de l'arcade de pierre. Et donc le petit bâtiment pour réceptionner la photo à la sortie. J'ai fait à peu près la même chose que le point photo de Lost Temple. De toute façon, c'est toujours le même genre de choses. Donc, j'ai séparé le bâtiment en deux, comme ça, il y a une zone un peu backstage, voilà, avec la porte pour les employés. Et des écrans pour voir les photos. Et bien sûr, les écrans juste devant pour voir sa photo si on en est satisfait. Des petits gifts, des petites cartes. Bien sûr, les machines pour imprimer les photos. Alors, j'ai pas mis les pluches, voilà. Mais bon, on a l'idée. Et donc, du coup, voilà l'attraction Elephant. Éclairé, bien sûr, c'est mieux. On finit la thématisation de l'ensemble de la zone de l'attraction. On balise. Et on fait en sorte que le toit soit un peu camouflé, ainsi que les murs un peu trop raides. Et enfin on s'attaque au troisième bâtiment du jour, à savoir donc retour sur le flat ride et le bâtiment central. Et je me suis vraiment concentré sur la thématisation de la file d'attente, enfin de l'ensemble du flat ride.
Ça va, voilà, un toit de ruine. Complet. J'ai utilisé les pierres pour baliser l'entrée. Et j'ai utilisé les grilles pour éviter que les visiteurs n'aillent entrer par là où ils n'ont pas le droit, d'un côté comme de l'autre. Ensuite, pour la thématisation, bah, j'ai repris la thématisation égyptienne de Lost Temple. Avec, on est toujours dans les ruines des temples. Hein. Donc, par souci de cohérence, je pense que l'attraction Armada sera peut-être pas sur le thème pirate, mais sera encore dans l'univers égyptien. Histoire que toute la zone soit cohérente. Voilà, mise en lumière de partout. Avec justement ces petites lumières qui éclairent les murs. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc, j'ai mis sur tous les murs de la file d'attente. Et puis des lumières, des projecteurs de couleurs pour éclairer les statues. Et donc, le nom de l'attraction, c'est non pas Fly, on corrige ça. Flight of Condor. Un petit coup de test du River Rapid. Et ensuite, on peut ouvrir. Et voilà, c'est à présent la fin de cet épisode un petit peu différent. Et je suis devant le point info de la zone tropicale. Point info que je ne vous avais pas présenté jusque-là. Ah, c'est juste un petit bâtiment au centre de la place, voilà. La semaine prochaine, nous nous attaquerons bien évidemment à la thématisation et à la création complète du Dark Ride de l'Armada. D'ici là, eh bien, vous savez la suite des événements. Ce soir, à partir de 22h30, comme tous les dimanches, sur Twitch. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous connaissez, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à dimanche prochain. Ciao !